On est de retour, mesdames et messieurs, sur la Zilan 2020. On a mixé un peu pour vous chauffer. Un petit peu. Voilà, écoute, c'était un petit peu. On a des rudiments. Sans masque cette fois, effectivement, contrairement à d'habitude. C'est vrai que d'habitude, on a un casque même. Oui, bon, on va pas en dire plus. On n'a pas trop le droit de. Pas tout dévoiler non plus. Bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire la remise des prix sur le calcul mental. Mais je croyais que le calcul mental, on récompensait le premier. Et la régie m'a dit qu'on récompensait le duo. Donc, je sais pas s'il y a eu un changement là-dessus. Mais. Ah, c'est le duo, ok. Donc, là, ce qui va se passer. Attends, ma fille, pas le classement. Non, il faut l'annoncer oralement d'abord. Malade ! On va d'abord annoncer les premiers à l'oral avec la salle. Tout à fait. On va remettre le lot que je vais aller chercher tout de suite. Allez-y. J'arrive. Je t'ai vous voyé. Et je le dis maintenant, on ne va pas évidemment shamer le dernier. On ne va pas shamer le dernier au final. On ne va pas lui offrir, mais on va lui donner la possibilité d'aller chercher ce bouquin vers la fin, on va dire. Tout simplement, histoire de ne pas non plus foutre la honte devant tout le monde. On a un petit peu réfléchi. J'ai dit pour le dernier qu'on n'allait pas le dire. Ouais, disons que j'ai vu que ça vous plaisait pas trop et je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre. Je peux comprendre totalement aussi. Ce qu'on va proposer effectivement, c'est que la dernière personne du classement pourra venir chercher son bouquin si ça le tente. Oui. Mais je pense, est-ce que vraiment on doit dire le classement, mon cher Vélan ? Franchement, mon cher Michel, écoute, on verra. Je pense qu'il faut juste dire peut-être. Mesdames et messieurs. Les trois premiers peut-être. Nous allons à présent récompenser le duo qui a eu les meilleures réponses sur le calcul mental. Ce sera donc deux personnes. La production et moi-même avons décidé que le dernier duo pourra, s'il le souhaite, venir chercher son bouquin de mathématiques de 6e plus tard. Mais on n'annoncera pas qui sera le dernier. Nous n'annoncerons pas qui c'est, nous vous tiendrons informés. Si vous voulez le bouquin, on vous donnera le bouquin. Mesdames et messieurs, le duo qui remporte cette épreuve de calcul mental est le duo Sardoche et Titati Tutu. Sans surprise. Pas sans surprise, mais en tout cas, il faisait partie des favoris. Effectivement. Il faisait partie des favoris. Venez, messieurs. Je vous invite à venir chercher votre boulier en or qui vous attend. Avec vos masques, bien sûr, puisque vous vous déplacez. Geste barrière. Je vais m'éloigner un petit peu, Antoine. Je vais laisser. Ok, mettons le masque, vas-y, tu sais quoi ? Je mets le masque. Messieurs, bravo. Félicitations. Messieurs. Bravo. Messieurs, je vous laisse récupérer le boulier en or. Il est très beau. C'est votre coupe. Et devant près de 100 000 viewers, Sardoche et Titati Tutu soulèvent leur boulier en or. Incroyable. Que des émotions aujourd'hui. Devant près de 100 000 viewers, à l'épreuve de calcul mental. Tout à fait. Évidemment. Merci messieurs, vous pouvez retourner à vos places, félicitations encore, vous êtes top 1 de cette épreuve. Hop. Alors est-ce qu'on montre le classement ? Ou alors peut-être qu'on a le classement... On peut montrer genre les 10 premiers. Est-ce, voilà. On a les 24 premiers. Les 24 premiers, premiers ça voilà. me va, ça Tout me va. Qui sont les 24 premiers de cette épreuve, mon cher Antoine ? On va les découvrir, vous allez les découvrir avec nous. Oui. Sur votre écran. Peut-être qu'on pourra donner le podium. De la poule A. Ah, d'accord, ok, je vois. Alors, il y a des petits problèmes sur les chiffres. Non, c'est que 1, 2, 3, d'accord. Ah non, c'est égalité ? Non, c'est pas des égalités. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec 1, 1, 3, 3, 5, 6, ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 21, 21. Alors, est-ce qu'ils sont égalités ? Est-ce qu'il faut que je reprenne le boulier en or ? Tu me dis, Michel. Une ? Bah, c'est très mauvais, du pas coup. Pas sûr, hein. Pas sûr. D'accord, bah, du coup, comment te dire que. J'ai final, des y a... infos. J'ai des infos contradictoires. Ah, on me dit que en fait, ils ont eu exactement le même nombre de bonnes réponses, mais c'est juste que Sardoche voilà, et Titati ont été plus rapides. Voilà ce qu'on me dit. Ok, my bad. En fait, là, le classement, c'est en fonction du nombre de bonnes réponses, mais quand il y a un ordre dans une égalité, c'est ceux qui ont été plus rapides. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire en régie. Désolé, mesdames et messieurs. Il n'y a aucun problème. Désolé, mesdames et messieurs. Donc, effectivement, Sardoche et Titati Tutu avaient le même nombre de bonnes réponses que Dr. Pepper and Proxima, mais ils ont été plus rapides. C'est vrai qu'ils avaient l'air très en forme. Ouais. J'ai pas trop vu Tita. Ah, mais si, parce que Sardoche et Tita, ils sont tous les deux dans le haut du classement, dans le haut du panier. Oh là là. Et ça, c'est pour la poule B. Astronauteur qu'on a vu. Astronauteur incroyable, Arkang, effectivement. Effectivement. Je cherche Rayou, 7ème étoile et Nico. 7ème étoile et Nico. Alors il y avait eu des recompilations. Skyheart et Slide, 12ème. Tout à fait. Ponce et Faya, 15ème. Ponce et Faya, 15ème. Ponce, hein, qui est normalement, devait être en forme. Tout à fait. Kenny et Kalen, 17ème. Effectivement. Et Eta et Kat à la 2ème. Spinner TV et Nazer, 22 pour la 3ème position.
Incroyable. Écoute, des résultats pas si surprenants. Non, que ça, en vrai, c'est plus ou moins. C'est... Et d'autant qu'il y a plein de gens qu'on connaissait pas dans cette épreuve. En fait, on connaissait certains favoris, on se disait, ben voilà, Étoile, etc., Sardoche. Étoile, pendant la pause, il m'a dit qu'il avait fini deuxième, et je viens de voir que c'est faux. Et oui, parce qu'en fait, ils avaient des résultats affichés qui n'avaient pas les compilations des derniers résultats. C'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas de dire, non, mais je suis X, je suis Y, etc. Je leur disais, non, attendez, on va compiler tous les résultats. Et voilà. Okay. Bah écoute, c'est très bien, moi, je trouve. Voilà. Je trouve ça très, très bien. Gotaga et Roby, on fait combien? Alors écoutez, là on a affiché les 24 premiers de chaque série. On va pas montrer les derniers non plus. Mais on donnera le Gotaga classement. Gotaga ira récupérer son livre de maths à la fin, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas bien, non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est Antoine, faux, c'est pas bien. C'est faux. C'est honnêtement, faux. On n'a même pas le nom du plus mauvais duo. Non, on ne le sait pas. On ne l'a même pas eu et je ne le veux pas. Je ne voudrais je veux pas garder le un esprit pur. Tout à fait. Je veux garder un esprit pur. Non, aucune idée de si Gotha est dans les méandres, j'en ai aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a eu les 24 premiers. Oui. Voilà, sur cette deuxième épreuve, mon cher Antoine. Qui achève donc voilà cette première presque moitié de phase de poule. Alors mon cher Antoine, donc on va se laisser tous les deux. Oui, mais on se retrouve tout à l'heure. On va se retrouver tout à l'heure, bien sûr, pour du golf pour et du encore golf. Des chiffres et des tableaux. Et je n'aurai plus ce manteau de ses morts et cette canne de ses morts et tout ça de ses morts, évidemment. Puisque vous avez vu, chaque streamer qui vient commenter ici a un costume. Certains costumes sont plus simples à porter que d'autres. Il y en a un qui va arriver dans les jours à venir qui est pas mal. Je ne veux pas spoil, mais voilà, il y en a certains qui sont pas mal. Pas décrire ce qui peut se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est thématisé sur les jeux qu'il commente. Tout à fait. Et qu'il y a des jeux qui sont plus burlesques que d'autres. Comme vous pouvez le constater, c'est très calcul mental compatible. Ouais, c'était difficile tout à fait. De trouver. Tu sais, le budget d'écho, c'est vraiment, oui, c'est vraiment pas la priorité. C'est pas là que vous avez mis le plus de fric, effectivement. Déjà, on a Internet, Antoine. C'est déjà énorme. Il y a de la lumière et Internet. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Tout à fait. Bon, mon cher Antoine, je te laisse y aller. Merci beaucoup. Je vais te laisser ta place. En fait, finalement, un autre caster. Finalement, alors qu'on dit à Antoine de rester, je pense qu'on va... Reste Antoine, je t'en prie, reste avec nous. La régie me dit de rester. On me dit qu'on puisqu'en fait, c'est Moment qui va te relayer. Tout à fait. Qui va arriver, mesdames et messieurs. Moment peut arriver, je pense qu'on peut l'accueillir oui, tout de suite. Hein. Il va arriver de sa petite porte. Momanus Emmanuel Marquez qui va prendre place pour commenter du Shootmania. Exceptionnel, jeu exceptionnel. Exceptionnel. Dans lequel Étoile et Nico, encore une fois, vont être extrêmement forts. Le revoilà, tous deux... Incroyable. Ah, Antoine, on me dit que tu dois t'en aller. Adieu. Ah, Shootma. Ah, Shootman. Shootmani. Shootmania Storm, bien sûr. On n'a pas eu toute l'animation, mais le cœur y était alors qu'Antoine s'en va avec sa canne de calcul mental. On m'a mis un petit ordinateur pour voir le chat. Ça fait plaisir. Je vous vois maintenant. Je vous avais sur mon téléphone et maintenant vous êtes avec moi directement. Ici, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Manu? Bah oui, pour une première, ouais. Petite chemise, là, tu t'es changé. Ouais, bah quoi? Normal. Il s'est passé quoi de changer, enfin, de quoi? Un gilet pare-balles, je voulais dire. Non, mais de quoi tu parles? Non, pardon, je croyais que j'avais un gilet pare-balles. Non, j'avais rien du tout. J'ai enlevé ce souvenir de ce qui s'est passé il y a quelques temps. C'est ma première, d'accord? Ouais, bah bienvenue à toi, mec. Bonjour. On va commencer donc la première épreuve que tu vas voir, c'est Shootmania, là. Ok, cool. Et cool. Donc ça va être du Royal Race. Oh oui, j'adore. Du Royal Race qui va être absolument exceptionnel. Alors, on va regarder un petit peu les règles du Royal Race, mon cher Manu, parce que c'est un peu compliqué quand on connaît pas le jeu. Donc, les règles... Attendez, je vais reprendre ça. On va le mettre ici, tout à fait. Les règles du Royal Race. Alors, il faut avoir le maximum de points en finissant le tableau. Deux possibilités, la course ou la survie. Il y a peut-être autre chose. Les kills aussi. Les kills et la capture du pôle. Il y a 4 kills, en fait. Ouais, c'est pour cinq la course. 5 manches sur Royal Race, 5 manches sur une carte tirée au sort. Donc, il y a 5 manches sur Den of the Fox, qui est une map précise de tout Royal Race. Et 5 autres manches sur une map aléatoire qui sera tirée. On va pas on choisir pas. Dans un chapeau, ça va être aléatoire avec un script qui va tirer au sort. Je suis en train de lancer mon jeu afin de pouvoir rejoindre les parties. Comment tu as vécu cette expérience de calcul mental en tant que spectateur, Manu? Bah, j'ai trouvé ça un peu simple. Ouais. Dommage que je ne l'ai pas fait. Mais bon, t'avais 100% de réponse. Exactement, j'ai vu en plus que c'est Sardin. En plus, je crois que tu faisais série 1 et série 2 en même temps, ouais, je crois. Ouais. C'était assez facile, mais bon, j'ai vu que c'était quelques personnes qui n'étaient pas trop connues qui ont réussi à gagner la petite trophée. Après, c'est bien, tu vois, ça peut faire des boosts pour, si tu veux, faire de ta carrière le streaming. Tout à fait. C'est bien de gagner calcul mental, comme ça, tu bah, au moins, faut être bon à quelque chose, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, en connaissant ces personnes-là, bah, c'est cool, bien joué à eux. C'était... Je sais pas, si, est-ce qu'on peut savoir s'ils étaient loin devant par rapport aux autres ou pas du tout? On pourra le savoir. Ok, c'est cool. On pourra le savoir, mais en tout cas, ils étaient premiers en temps. Par rapport à des autres adversaires qui a fait le même nombre de bonnes réponses. Pardon. Je t'invite à lancer ton jeu, oui, et à rejoindre le serveur 2, parce que j'irai sur le serveur 1, puisqu'en fait, comme d'habitude, il va y avoir les deux poules en même temps, et je serai de mon côté. Alors peut-être que je vais essayer de rejoindre la poule de Nico,
De mon côté, je vais voir si je suis dans la bonne. Sinon, on échangera juste de serveur, mon cher, Manu. Je vois Xari. Ici, je vois Xari. Ça veut dire que c'est l'autre pool. Donc, je vais rejoindre l'autre serveur. Donc, moi, c'est le A et toi, le B. Ouais. Bon, en tout cas, je suis très content, Manu. Là, le calcul mental, c'est mieux passé que PUBG. Oui. Pour moi, c'est une victoire. On a réussi à avoir les tops, etc. Donc, ça fait vraiment plaisir. Juste un petit rappel pour ceux qui nous suivent et qui viennent d'arriver. Vous pouvez acheter des produits dérivés Zilan. Ça soutient l'événement et ça permet d'organiser d'autres événements de ce genre. Voilà, vous avez des t-shirts, vous avez des petites chaises également. Je sais qu'en plus, vous avez été beaucoup à demander des chaises. Donc, il y a eu de la reprod de chaises, d'après ce qu'on m'a dit. Et voilà, le t-shirt Zilan. Alors, on ne le voit pas beaucoup, mais vous voyez le premier t-shirt blanc, là. Il y a un logo Zilan avec tous les jeux. Non, c'est pas le tien. Non, mais c'est le deuxième. C'est pour moi, c'est le deuxième. C'est ça. Et du coup, vous avez un logo Zilan avec tous les jeux autour. Donc, vous avez un parachute de PUBG, vous avez un... Voilà, plein de trucs. Et donc c'est super. On est sur Shootmania, on n'a pas encore commencé, évidemment. Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut que j'attende que ça go ? Est-ce qu'on m'attend ? Est-ce que personne n'attend ? Alors, je vous cache pas que dans cette épreuve, c'est Nico le grand favori. Deux poules réunies. Là, il faut être honnête. Au bout d'un moment, on peut pas dire n'importe quoi. Par contre, Manu... Moi, j'ai Eliodar. Il faut que je te dise un truc. Oula. Il faut que je t'avoue quelque chose. Avant, fais-moi un petit check quand même. On m'a dit que Sardosh avait une stratégie très spéciale sur Den of the Fox, donc la première carte. Et il m'a dit, ça vaut vraiment le détour, il faut que tu nous spec, absolument. Alors je sais pas s'il veut flex ou s'il veut rattraper l'argent qu'il a perdu à cause de cette Zilan en streaming, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu un call. Il m'a dit, je peux pas te dire ce qu'on fait, mais on le fait, tu vois. Okay. Donc je sais pas ce que c'est, hein, j'ai pas l'info, mais voilà, il y a eu ça, on verra. Bah sachant que c'est toi, il est chez toi. Est chez toi, Sardosh. Moi, j'ai du Gotaga, j'ai du Skyheart, j'ai du Nico, j'ai du Étoile. Ouais, j'ai Sardosh, mais comment ? Ouais. J'ai pas mes raccourcis, donc j'aimerais être en première place. Hop. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, première personne, c'est là, le 1. Je n'ai pas appuyé, évidemment. Non, le 1, voilà, c'est... Et là, tu passes sur lui. En fait, quand tu fais 1, après, tu retournes en spec et tu fais ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a un nombre de joueurs, je ne sais pas c'est quoi, c'est 96, on va dire. Et en fait, au début, tu commences, tu apparais presque tous au même endroit et tu dois aller à un point B qui est le pôle. Quand tu vas sur le pôle, tu dois le prendre entièrement, donc à 100%. Si tu es sur le pôle à 100%, il faut rester environ 3 secondes. Exactement. Pour le capturer. Peut-être un peu plus. C'est une zone minuscule sur, sur laquelle il faut rester 2-3 secondes. Exactement. 4 secondes. Si tu prends le pôle, tu as le nombre de joueurs en points. Donc si vous êtes 96, vous gagnez 85 points. Et à chaque fois, donc dès que le pôle apparaît, ça c'est un point important parce que avant nous le pôle... Nous allons bientôt lancer, mesdames et messieurs. Tenez-vous prêts, nous allons bientôt commencer. Avant le pôle, vous pouvez, donc vous apparaissez avec 3 points de vie. Oui. Et dès que vous mourrez, vous réapparaissez avec 2 points de vie. Mais vous ne pouvez pas réapparaître quand le pôle est pris. Donc ça c'est un point important. Donc il y a beaucoup de règles. Il y a des trucs qu'il faut se dire. C'est un peu fouillis. Et donc il y a des techniques différentes. Est-ce que au début j'essaie de faire vraiment à chaque fois quand tu touches quelqu'un tu gagnes un point, deux points. Et donc à chaque fois c'est des techniques. Est-ce que je reste caché? Le mieux au début c'est essayer de faire des kills, de toucher. Dès que t'as le pôle il faut rester le plus vivant. Alors pourquoi? Parce que quand le pôle est pris à 100%, il y a une tornade qui commence. Exactement, la tornade rétrécit. La zone rétrécit. Et si tu te fais tuer à ce moment-là tu réapparais plus. Et en fait, à chaque fois que quand tu meurs à ce moment-là, c'est le nombre de joueurs qui sont morts que tu gagnes de points. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu es 50e et qu'il y en a 44 qui sont morts avant toi, on tu gagnes 44 points. On a démarré, mon cher moment, et je suis actuellement sur la POV de Nico. Non, si, peut-être. Kalen est effectivement ici sur notre viseur. Il faut que je trouve Nico. Ça va être un petit peu compliqué au début pour la première game parce que pour l'instant, le classement évolue au fur et à mesure. Mais voilà, on n'a pas pu tout vous expliquer. Mais en gros, quand vous touchez des gens, vous gagnez des points. Si vous touchez de plus en plus de gens, vous gagnez de plus en plus de points. Et vous gagnez des points avec de la survie, vous gagnez des points en capture. Le pôle, vous gagnez des points avec des bonus, enfin il y a vraiment plein de choses, on peut regagner de la vie, etc. C'est un petit peu compliqué de vous expliquer tout le jeu ici avec eh bien juste ce commentaire. Je crois que Nico est éliminé. Non, il n'est pas éliminé, mais on va voir ce qui se passe. Ok, je vais quand même aller voir qui va s'occuper de la capture du pôle. On a quelqu'un, on a Vivic, regardez, Vivic qui est ici à la capture du pôle, juste là, mon cher Manu. Tu vois, on a Vivic qui s'est placé. Oh, qui a été attaqué, mais il va pouvoir l'avoir. Voilà, Vivic, il l'a eu. Et voyez, il a eu plus 94 points instantanément. Et maintenant, il doit défendre sa position. Il faut évidemment qu'il tire sur le plus de gens possible afin de pouvoir faire des points. Mais il est déjà hyper bien. Il a plus 106. Hein, donc, c'est considérable. C'est vraiment énorme.
alors que Mr. Lovelix par exemple est à 69, 71, etc. On va voir comment il se débrouille. On a étoile. Étoile sur le pôle, on régénère de la vie. Vous voyez, il a 3 points d'armure, hein, donc c'est vraiment... Il est très très bien, il est full life. Quand on va sur les petites plaquettes rondes ici, on régénère un point de vie en quelques secondes, mais on ne peut pas tirer. Exactement. Quand on est dessus. Donc c'est un peu le bordel, c'est un peu le bordel, c'est vrai, mais vous voyez, ça va bien se passer, vous allez comprendre au fur et à mesure du temps. Il y a 5 rounds par map, et là, on a des roquettes. Oui, des roquettes. À chaque fois que tu touches, t'as à peu près genre 4 roquettes et t'as un temps. À chaque fois que tu prends une roquette, pour la reprendre, c'est 3 secondes pour prendre une roquette. Donc quand tu tires tes 4 roquettes d'un coup, bah faut prendre un peu de temps de délai pour avoir une seconde et demie pour une roquette. Ouais. Exactement. Donc là, c'est ce qui se passe. Là, c'est pas un 3, un Slayer. Il veut juste survivre parce qu'il sait à chaque fois que quelqu'un meurt, il gagne un point. Kenny donc, 110. Hein. Ouais, il est bien, il est bien. Kenny et Kalen sont les deux joueurs qui sont aussi plutôt, ils sont plutôt bien entraînés. Voilà, voilà Kenny qui touche une fois. Est-ce qu'il va réussir à le finir? On a Kenny qui est juste là, il est à 118 et vous voyez, plus on touche de gens, plus on gagne de points. En gros, première touche, les deux premières touches que vous gagnez, vous faites 2 points. Oh, étoile qui a failli se faire éliminer par Kenny, mais Kenny qui va se faire éliminer finalement. Vivic, toujours en vie. Bichard également 143, on est à 173, tu sais que c'était pas un Slayer, mais il est quand même avec tellement de points de touche et en plus les points du pôle, donc il est giga bien, hein, honnêtement là... Il se débrouille ultra bien, baisse la main UW et en plus il fait top 1. Mais il fait top 1. Attends, est-ce qu'il fait capture de pôle? Donc il fait 96 plus 96. Et top. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il se met tellement bien. Mm. Est-ce qu'il se met très bien? Regarde, il est 84, il est contre Distoria. 85. Voilà. Il est contre Distoria, le meilleur joueur Sif de la LAN. Hors commentateur évidemment. Plus 4, dernière, plus 5. Exceptionnel. 280 points pour Vivic. Alors là, autant vous dire que c'est un début sur les chapeaux de roue. C'est monstrueux. Vraiment hyper bien joué. Comment ça se passe de ton côté, mon cher Mange? Je crois que ça vient de commencer, c'est ça? Ça a commencé déjà. Ah, ça vient de commencer, ouais. Ils sont à 0 points, donc je vois que effectivement. Ça commence à peine. Ok, alors Vivic, on va rester sur cette game hein, pour le moment, mesdames et messieurs. Monstrueux en tout cas. Vivic qui repart. Donc vous voyez, au début, c'est le bordel total. Il faut absolument essayer de se hisser. Oh, il a été ralenti par quelqu'un ici en collision. Il va quand même essayer de le capturer. Oh non, il a été éliminé. Alors quand vous êtes éliminé au tout début, ton pôle n'est pas capturé. Vous pouvez revenir avec 2 points de vie seulement. Exactement. Au lieu de 3. Mais vous ne pouvez plus aller capturer le pôle en premier. Bah c'est pas la même chose, là vous êtes pas sur PUBG, là vous êtes sur un FFPS, on va dire un fast FPS, ça va très très vite. Et là au début il y a une technique où tu peux rester un peu au spawn et tu balances des roquettes toujours tout droit parce que les gens ont l'habitude de prendre ce chemin. Regardez-moi ce carnage qu'il y a. Et ceux qui s'avancent, bah, ils essaient de prendre le pôle, d'autres ils essaient d'avoir les frags parce qu'à chaque fois que tu meurs avant que le pôle soit pris, bah, ils ressuscitent et ils reviennent au point de départ. Et donc si tu attends au point de départ, tu fais un massacre, hein. Tu fais des kills, tu touches. Kalen est en train de capturer le pôle, mon cher moment. Alors que Nico est en train de revenir, voilà, Kalen a capturé le pôle. On va se mettre sur la vue de Nico, comme ça vous comprendrez comment il joue. Alors Nico il se met ici, il se met au sommet d'une colline et il attend. Et vous voyez, en gros, il élimine tous les joueurs qu'il peut. Il est déjà à 11 par touche, c'est considérable pour ceux qui jouent à Shootmania, je pense que vous le savez. Oui. On est à plus 12 de touches, toutes les deux touches en fait, vous gagnez un... Oh là là, incroyable, le Rocket ici, plus 12, plus 13. Et ici, ah on a raté, on va peut-être avoir ici la suite en le poursuivant. Nico, regardez qui est déjà à combien? Il est à plus 200, oui. Plus 200 juste en touchant des joueurs, vous vous rendez compte? Le joueur d'avant, il a fait 14, le pôle, top 1 14. Et survie, il a fait 280. Là, les deux prochains, c'est 15, 15, 16, Nico, 16. Il est à 257. C'est un Slayer. C'est lui, un il va monstre. Slayer de ouf, regarde. 15. Et attention, il a plus qu'une vie et il doit avancer parce que la tornade arrive. Ah, oh, et voilà. Bon, et il fait quand même 292. Mmh. Hein. Ouais, il c'est fait... le Slayer. C'est le meilleur joueur de la LAN. Ouais, sur Shootmania. Clairement. Étoile, qui est avec Nico, il fait des points. Très important, hein, tous ces points, bien sûr, puisqu'on est en duo. D'ailleurs, vous avez le classement général en haut à droite. Vous voyez qu'Étoile et Nico, pour l'instant, sont deuxième. Alors, ça additionne leur position dans le classement. C'est-à-dire que si vous êtes troisième et deuxième, il y aura écrit 5 à côté de vous. Ok. Donc là, c'est pour ça qu'on voit Vivic 14, Étoile et Nico 15, etc. Ne soyez pas surpris. Étoile éliminée. Qui est bien placé? On a Astronauteur. Ouais. Regarde ce que fait Sardoche. Voilà sa technique. Peut-être on peut le montrer. Ok, est-ce qu'on peut montrer le point de vue de Sardoche en régie? C'est sur le point de vue de moment en termes de spectating. Donc en fait, au début, quand t'apparais, tu vas directement à gauche. Ouais, là, on est sur non, la régie, t'allais boire un café. C'est pas grave, on vous montrera au round d'après. En vrai, je pense que ça vaudra le détour, mon cher Michel. Paf! Il avait plus de roquettes, il attendait. C'est Akitio qui va gagner ce round, pas de soucis. Voilà, où est Sardoche, regardez. Il est en train de jouer du KZ en fait. C'est-à-dire qu'il se met, il apparaît, il se met direct à gauche. Pourquoi direct à gauche? Comme ça, bah, en fait, il cherche pas les points de kill, il cherche juste les points de survie. En fait, si t'as dit tu as capturé le pôle, en fait, Sardoche, il m'a dit qu'ils avaient une stratégie qui faisait qu'ils capturaient le pôle 30 secondes avant tout le monde. Et en fait, il cède d'un jeu d'escalade sur un arbre. Il cède d'escalade sur un arbre pour aller directement au pôle et prendre le pôle. Exactement. Avant tout le monde. Et ça peut être un snowball. Et personne n'avait cette strat à part eux. Regardez ce que fait Sardoche là actuellement. Il faut qu'il arrive vite parce que s'il n'arrive pas. Tita a pris le pôle donc c'est pas très grave. C'est des points pour son équipe. Oui, mais s'il meurt tout de suite, il perd. Et je pense qu'ils ont capturé le pôle à la game d'avant puisqu'ils sont 4ème au classement général. Tu vois, actuellement. Et là, faut faire un wall jump. Ouais, c'est un peu compliqué parce que si on rate, ça peut vraiment être un snowball de merdier. Après, mais en tout cas, c'est très malin. C'est malin, mais là, il devient peut-être un zéro. Tu vois, de héros, tu peux pas. Après, tu gagnes des points de survie. Tu gagnes des points parce qu'il se fera jamais tuer à part par la tornade. La oh c'est bien, il a réussi. Oh non, il l'avait.
Tellement dommage, il l'avait. Ouais, c'est pour ça la technique qui marchait bien, voilà. Voilà, et ouais, c'est ça, tu vois, il disait on a une strat sur cette map. Et c'est malin en vrai, hein. C'est très très c'est malin. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'ils se sont dit, ok, on gagnera peut-être pas en aim, du coup il faut qu'on trouve un truc. Mais c'est que sur Den of the Fox, c'est que sur cette map là, ils se sont aidés des arbres. Ok, est-ce qu'il l'a ? Non, il l'a pas. Et, mais tu vois, il est prêt, et en fait il survit avec la tornade aussi. Ouais, mais combien de survie ? Pas tant que ça, hein. Mais je te jure qu'il prend masse point de survie, il a plus 74, hein. C'est énorme quand même en survie. En faisant 0 kill, c'est énorme. Ah voilà, il l'a. Oh, il l'a eu au dernier moment. Et là, s'il fait un peu de touche, tu vois, Sardosh, il va être hyper hyper bien. Non, en vrai, c'est le malin gameplay. C'est très vrai. Là, il faut qu'il se déplace. Tu vois, il survit à mort parce qu'il sait qu'il sera pas très fort en aim, mais du coup, il est mort. Il a fait combien de points juste ? Appuie sur tab pour voir. Il a fait. Est-ce qu'on peut le voir ce qu'il trouve ? 82. Ouais, c'est énorme. On va repasser sur la game 1 juste maintenant qu'on a vu cette strat, mesdames et messieurs. Donc, avec Nico que je vais vous montrer dans 3, 2, 1. Maintenant, il est à plus 16 de touche. Il est premier de la game et il est à 123 points. S'il regarde tous les gens qui sautent, et ben, il arrive à les avoir. Hop, oh, bon, là, je dis ça et forcément, il se fait toucher. Hop, il va attendre le saut et poum ! Oh là là, c'est incroyable. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de niveau de jeu pour atteindre. Ce niveau-là, vous savez, oh, Nico qui se fait éliminer, voilà. C'est un joueur de Quake et tout, c'est un joueur de Fast FPS. C'est un joueur de Fast FPS, 150. Il prévoit, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas du Railgun ou autre, c'est pas du Insta Jeep, je crois que ça se dit. Insta Jeep, ouais, c'est ça. Et en fait, non, c'est juste la roquette. C'est de l'anticipation. Voilà, t'as le trajet, t'as tout ce qui va avec et c'est pas si simple que ça. Il faut éviter, il faut courir vite, il faut éviter les roquettes, éviter les placements. T'as un combo et ça va tellement vite, ton cerveau, des fois, ça peut pas, enfin, tu peux pas continuer. Là, Ita joue un peu avec le pôle parce qu'il sait que de l'autre côté c'est possible qu'il lui tire dessus et il peut se faire, c'est son petit bouclier quoi. Mais là ça se passe plutôt bien pour Ita. C'est compliqué quand vous êtes au pôle parce qu'il faut pas être trop au milieu. Et à la fois si vous êtes sur le côté, il y a la tornade qui est en train de vous arriver dessus. Donc c'est vachement compliqué. Regarde en haut à droite de Duo Live. Ouais, Akitio et Ita sont en train d'être premiers. Impressionnant. Hein. Pour l'instant, ils sont premiers de la game. Mais là, Nico, il va commencer à rouler sur tout le monde. Hein. En fait, oui, mais. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que s'il est premier, ça change rien. Tu vois, il est premier. Et oui, c'est pas le nombre de points. C'est l'étoile qui est important. En fait, c'est pas le nombre de points qui compte. En fait, Nico, il sécurise la première place, mais il peut avoir 1200 et le deuxième 300. Ça changera rien. Ouais. Parce qu'en fait, on additionne le classement. Vous pouvez pas porter vos mates à 100%. Vraiment. Michel, on est sur l'autre game si jamais. Je crois qu'on nous montre la game. Il faut nous prévenir hein, si vous switchez. Parce que je vois que vous voyez, effectivement, ils sont en train de avec Sardosh. Mais nous on est sur on était sur l'autre game. C'est juste regarde où ils sont on maintenant. On expliquait juste qu'au classement général en haut à droite ici, on a Étoile et Nico qui sont cinquième. Dans le fond du classement au parce fond, que vu qu'on joue avec les positions et pas avec les points, et ben il faut que Étoile absolument réussisse sa game. C'est absolument C'est vraiment un truc de duo, c'est important. Tu peux être premier mais de loin c'est une lame de duo, c'est une lame de duo. Et si après là ils sont cinquième. Ça peut aller, après je pense que calcul mental était pas mauvais les deux donc. Non mais ils sont pas du tout dans les choux. Ils passent pas mais bon. Ils sont pas du tout dans les choux mais ils visent le seed 1, faut bien se rendre compte en fait. On vise le seed 1, enfin le seed de 0 à 8 en tout cas, pour aller chercher un bon classement dans la poule de la mort. Ok, Kenny et Kalen sont très bien, ils sont 3ème, Akitio et Ita, je suis très surpris par contre. Hein. On a Akitio et Ita, ils sont 3ème et 4ème. Ils sont intelligents, c'est pas vraiment les kills, c'est les placements qu'ils font. Tu peux regarder, Ita n'a pas beaucoup de kills. Ah oui, ils ont 0 points. Hein. Là, Ita il est. Il a la tornade activée, il est au pôle. Hein. Il le joue intelligemment. Il s'en va, il est pas du tout au pôle, j'ai dit n'importe quoi. Mais en tout cas, ils jouent à survie. En fait, ce qu'ils font technique, c'est qu'ils restent à leur spawn et ils attendent en fait que la tornade arrive et avancent avec la tornade. Parce que les gens qui sont bons. Ah, tu crois qu'ils font ça ? Oui. Bah parce qu'il était toujours là et tout. Il y a des gens qui jouent comme ça et c'est intelligent parce que. Après, c'est compliqué parce que si tu rates des sauts et que tu tombes sur Nico, genre des slayers un peu, qui attendent sur des sauts, ça peut être horrible. Oui, mais normalement, Nico à ce moment-là, il est un peu plus avancé parce que c'est là où il y a plus de frags. En fait, Nico, c'est vraiment le slayer. Il veut tuer tout le monde. Après, Nico, il colle la zone quand même. Il colle maintenant, mais avant non. Avant il colle au début pour le début et après il se met vers le milieu et après il attend que tous les gens arrivent parce qu'il sait qu'il y a pas mal de débutants ou de autres qui. Regarde-moi ça comme il est chaud. Alors c'est un jeu extrêmement complexe à prendre en main, ça se voit pas forcément quand vous regardez, mais il y a toute une mécanique de sprint, une mécanique de wall jump. Les roquettes c'est très difficile parce que c'est de l'anticipation, c'est pas de l'instagib comme Manu vous l'a expliqué. Ouais. Ici double roquette, c'est incroyable et ça, ça touche pas, mais ça aurait été hyper beau. Ça paraît très simple quand on regarde Nico, je vous invite à tester le jeu, vous comprendrez la puissance. Vous n'êtes pas aussi rapide que ça. Regardez en bas à droite, c'est la stamina. Cette stamina est utilisée quand tu sautes. Voilà, exactement. Quand tu sautes et que tu touches le sol, il faut que tu recliques sur le stamina pour aller vite. Tu peux l'utiliser que à ce moment-là, avec le saut et toucher le sol. Si tu sautes pas, tu l'as pas. Il est monstrueux. Il est en 1v1, je crois. Contre son adversaire, plus 16-17, voilà, et boum, et c'est gagné. Et il fait 461 points. Regarde les points qu'il a en haut à gauche. Il va dépasser 1000. Il va dépasser les 1000 points. Il est à 1004. Mais ils ne sont qu'en 5ème au classement général. Exactement. Ouais, Nico, là, il est impressionnant. Mais Étoile est un petit peu au fond. Il est à 22. On va regarder un petit peu la game d'Étoile pour voir. On va regarder la game d'Étoile. Étoile, il doit absolument faire des points. C'est considérable. Nico, il a limite plus besoin. Limite, il devrait protéger Étoile en fait. C'est ça qu'il devrait faire. Ouais, maintenant qu'il a sécurisé. Mais en fait, maintenant qu'il a sécurisé la première place. Ah, là, Étoile qui se fait éliminer. Tu vois, Nico, là, il est à 1000.
Ils devraient prendre un ou deux rounds pour protéger l'étoile, je pense. C'est comme ça. Mais je sais pas s'ils oseront le faire, tu vois. Je sais pas s'ils auront. En fait, là, étoile devrait rester à le spawn et faire plein de tirs. C'est vraiment free kill parce qu'ils ont tous le même chemin. Il y a trois chemins. Ouais, ces trois chemins, c'est très petit. Donc tu t'attends au spawn, tu tires juste et t'as plein de touches. Peut-être qu'il va rejoindre Nico. Ouais, mais non, tu peux pas rejoindre Nico. Il a pas le niveau pour rejoindre Nico. Ouais, c'est vrai que Nico va trop vite. Et c'est pas parce que l'étoile est trop nulle. Hein. Non, non, quand on non. dit ça, c'est pas pour blame étoile non, du non. tout. Hein. Oh oui, ça c'est gratos. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça bien. C'est bien. Continue. Pas du tout impartial. Vivic a capturé le pôle. Ils sont premiers pour l'instant. Il faut pas oublier qu'étoile n'est pas un joueur d'FPS. Après, ah, oui. Ah, je suis désolé, Minecraft c'est pas FPS. Hein. Tout mon respect à tous les joueurs de Minecraft. Mesdames et messieurs, on est donc sur étoile. C'est exceptionnel ce qui se passe. Je ne prendrai pas parti dans ce débat. Mesdames et messieurs. Mais non, mais je veux dire, je respecte. Non, mais écoute, tu sais ce qui est important, c'est d'avoir tes opinions. Mec, vraiment, c'est... Ah, je reçois plein de messages. Merde, je crois qu'il y a un petit... On peut ne pas être d'accord, mais je me battrai pour qu'on ait le droit de l'être. Et ça, oui, c'est important. Je pense que les gens ont compris ce que je voulais dire. Je veux dire, ne jouons pas sur les mots. Allez, du coup, mesdames et messieurs, on va regarder peut-être Vivic qui a capturé son pôle et qui est encore vivant, qui est maintenant éliminé à l'instant. Étoile, s'est-il fait éliminer? Je crois que quand on a switché, il a failli se faire éliminer. Non, ça va. Il est à plus de 78 points. C'est pas mal du tout pour l'instant, car il va faire pas mal de points. Attention, plus qu'une vie, il faut qu'il a récupéré de la vie. Ou alors, enfin, quelques touches. Il y a une plaque ici, il va y aller. Peut-être droite-gauche en restant ici. C'est bon. Deuxième vie. Hop, petit wall jump. On n'a pas raté. C'est bien. Allez, peut-être quelques touches maintenant. Attention derrière soi. On avait un joueur tout à l'heure. Voilà, on check. Il y a des joueurs ici qui sont allés récupérer de la vie, le sait. Il avance avec la tornade, c'est malin. Là, oui. C'est malin ce qu'il là, fait. Là, il veut pas faire rag. Il se jette pas sur le pôle. Exactement. Il attend tranquillement et dit bon, je tire si vraiment je dois. Ah, et voilà. Bon, il aura quand même fait 103 points. Ce qui, à son niveau, regarde, tu vois, il y a 102, mais autour, il y a 16, 80, 78, 88, 33, 96. Ça va être pas mal. On va voir si ça lui permet de prendre des places, parce que les places sont chères. Hein. On a Skyart et Slide, ils sont en 3ème position d'ailleurs. Ils doivent être bien contents parce que c'est pas du tout leur fort, Shootmania. Au contraire. Ah, Slide est bon. Slide, ouais, mais bon. C'est pas leur fort, c'est quand même pas leur jeu. C'est quoi leur classement à eux deux pour voir juste. Skyart et Slide. Ouais, juste voir si c'est vraiment Slide qui fait la différence. Slide ou... 8ème. Ouais, ouais, okay. Skyart doit pas être loin. Il doit hein. pas être loin avec 13. Skyart il est 13, ouais, ouais. C'est ça, exactement. Ok, alors est-ce que ça a remonté? Voyons le changement du classement général, on est sur le 5ème round, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'on change de map. Tout à fait, on va changer de carte, mon cher Emmanuel. Et on va partir sur une map aléatoire du map pack du Royal Race. En tout cas, alors comment ça se passe pour Sardoche et Tita? Ils sont premiers. Ah, ils sont premiers. En fait, leur stratégie est vraiment bien parce que. Parce qu'en fait, ils ont le pôle à chaque fois. Ils ont le pôle gratuit, ouais. Sans kill, donc c'est-à-dire qu'ils. Et il n'y a pas un Nico. Non, il n'y a pas un Nico déjà. Ouais, faut être honnête, il n'y a pas de Nico. Après, il y a Eliodar. Ils ont combien en score? Ils sont combien tiers et combien tiers? Ils sont vraiment. Tita, tu es Sardoche. Michel, tu peux nous passer sur l'autre game, peut-être. On a Sard 4ème, 3ème. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils le font. S'ils arrivent tous les deux à faire le bon saut, bah chacun son tour prend le pôle, tu vois. Mais Eliodar et Yonix, ils sont pas loin, non? Oui, mais ils sont pas loin, mais. La différence, attends, on ouais, va ils voir. Sont 12, ils sont 12, 12 et 7. Tu vois, regarde le top pôle, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Et je vais être honnête. Regardez à gauche, 256. Ouais, ça, c'est le top pôle. Le top pôle, c'est vraiment là où tu gagnes trop de points. Ils gagnent ses points juste grâce à ça, grâce à cette technique. Ouais. Et après, ils survivent. Ouais, on verra la prochaine map, je pense que ça sera pas pareil. Ouais, du c'est vraiment malin. Hein. Ouais, je pense qu'ils l'ont su, ils l'ont caché, ils l'ont rien montré. Ah ouais, il m'avait dit, on a trouvé un truc. Et en vrai, il m'avait dit, je pense que d'autres gens ont la strat, mais personne ne l'avait. Par contre, si d'autres gens avaient eu la strat et qu'ils s'étaient retrouvés à se battre dans l'arbre, alors là, ça aurait été horrible. Parce que regarde, là, ils se finissent, ils restent tous les deux. Et là, il dit, bon, ok, bah fais-moi les frags. Et là, ils devraient survivre. Mais non, parce qu'il restait plus que deux. Ah oui, bah oui. Donc, ils restent tous les deux, bah prends les points. Et comme ils refont des papas, ils sont trop contents, c'est trop mignon. On passe à la deuxième map. C'est bien joué. Mon cher Michel, on est passé à la deuxième map. On a déjà avancé, on est sur Nico, mesdames et messieurs. Qui est, on va se remettre en first person sur lui, voilà, tornade activée. On est sur Hysteria Pyramide. Donc pyramide tout court en fait. Qui est une map sur laquelle il faut bien savoir se déplacer pour aller chercher le pôle. Et regardez ce que va faire Nico. Hein. Vous voyez là il va pas bouger. Hein. Il va se mettre à un endroit. Il va planter sa petite tente et il va attendre devant les sauts que les gens sautent à lui. Tout c'est tellement plaisant de voir ça, enfin c'est vraiment tellement beau. Bah, propre, le fast FPS, c'est fluide. Hein. C'est en du FPS à l'ancienne en plus. Les gens vont dire, mais attends, mais c'est simple en fait. En fait, t'as juste à tirer sur les gens. Voilà, regarde. Oh la double roquette. 7-7, allez hop, non, il était 7-8. En fait, il faut anticiper, vous allez toucher la personne. Voilà, regarde. Oh là là. Vraiment, ça, c'est. Ça, tu vois, tu dis, mais waouh, c'est exceptionnel. Ah, genre, c'est vraiment. C'est un fou, il est trop fort. Regarde, allez hop. Tiens, il y a quoi d'autre? Yo Viral, ouais. Vas-y, allez hop. Quelqu'un d'autre encore? Ouais, le poker. Là, il a flex. Tu veux all-in? Ouais, t'inquiète pas. Cette map pyramide est trop rigolote. Vous sautez, vous arrivez au milieu et vous pouvez même passer de pyramide en pyramide. C'est vraiment un sacré bordel. Hop, The Ben Big. Hop là, sur le petit atterrissage. Et oubliez pas, il y a juste 4 roquettes au début, donc c'est-à-dire que tu dois bien l'utiliser. Si tu balances tes 4 roquettes, t'as qu'une seule roquette qui va arriver une seconde et demie et là, après. Donc, rendez-vous compte, il joue agressif, il a plus qu'une vie, il joue quand même agressif. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands joueurs de Fast FPS, c'est savoir se mettre en situation d'agressivité alors qu'ils sont dans la merde en termes de vie.
Et ça, c'est, ça peut faire la différence. Hein. Là, il va peut-être aller chercher une vie. Il y avait plus de plateforme de vie, ouais, donc vous pouvez pas. Il a fait 259. Hein. C'est vraiment un massacre. Par contre, Étoile est bien remonté. Il est top 10 maintenant du serveur, mon cher, ouais. Mon cher oui, mais Manu. Ça a reset. Et du coup, non, pas du tout. Si. Ah mais si, je dis n'importe c'est quoi. Je dis n'importe c'est quoi. Excuse-moi, Manu, pardon. Et du coup, ils sont pour l'instant 3e. On va voir. Alors après, attention à Tita et Sard. On va voir combien ils feront sur la deuxième map. Moi, je vous dis, ce sera plus pareil. Là, on est dans le duo à droite. Ce sera plus là, pareil. Deuxième... Mais, oui, mais s'ils font genre top 3, top 4, oui, ça, fera un top, bien, ça fera oui, un top 1 in fine. De toute façon, faut être honnête, ils vont passer sans problème les poules. Après, le seed 1 serait parfait pour eux. Et oui, il faut aller chercher le seed 1. Ils ont gagné le calcul mental. Ouais. À PUBG, ils ont pas été dégueulasses du tout, je crois. Non, ils ont été bof. Hein. Ah ouais, bof ouais. Ah merde. Ok. Bon, on verra. Ok, nickel. Du coup, on verra. Non, après, ils ont. Non, mais t'inquiète pas. Là, il y a Domingo Xari qui font un bon truc aussi. Enfin, c'est. C'est beau là ce qu'on voit, c'est du... On va voir. On était sur une strat avec un seul round, vous voyez Julozilan et Xyrios, mesdames et messieurs, qui sont pour l'instant premiers au classement général. On a Guile et Bichard qui sont bien placés également, Jiraya et Zul en 11ème, mais c'est le round 1, donc il faut voir un petit peu comment ça se différencie. Oh, alors que Kalen et Kenny ont capturé le pôle à 2, donc ça divise juste les points par 2 du pôle, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est une bonne strat pour faire monter les deux dans le classement. Et en vrai, ils sont malins. Ils sont malins, les petits. C'est bien. Ils sont malins, la team KK. Effectivement, Kalen au middle. Alors par contre, quand t'es au milieu sur Pyramide, voilà, faut bouger tout de suite. Faut pas rester tu milieu. Peux pas rester au milieu. Parce que sinon, c'est absolument affreux. Et après, faut essayer d'aller chercher de la touche. Alors qui est bon en termes de touche? Bon, on a Nico. Mais Kalen, ah oui, non, mais il y a le pôle, effectivement. Il y a le pôle surtout. Ouais. Bichard est pas mal, hein. Bichard est pas mal, 42. Bichard qui avait fait des très bonnes sessions en training. Hein. On s'en souvient, lui qui disait, moi je suis un touriste et tout, tu parles. Hein. Bichard, je lui ai parlé un peu. Hein. Je lui ai dit, hey, t'as 200 heures, tu vas arrêter de dire que t'es touriste. Regarde, ça, c'est... Non, mais il est bon. Il hein. est bon. Hein. Mais je sais qu'il se sous-estime beaucoup et surtout, il a du mal à gérer la pression. Il nous l'a dit, il était en mode, bon, moi, voilà, c'est pas une surprise. C'est pour ça qu'il se dit, ouais, non, je vais être nul, tu vois, comme ça, au moins, il dit. Il préfère je vous l'avais pas, dit, les gars, je vous l'avais dit que j'étais nul. S'il rate, et là, il se dit, bah, tu vois, j'ai flexé. Allez, il récupère de la vie, une il vie, a encore deux, deuxième. Il a trois. Voilà, bien, c'est très bien. Et franchement, ça, c'est très très propre de réussir après le pôle à avoir toujours trois vies, c'est-à-dire qu'il est jamais mort. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'au moins, il peut se faire toucher une ou deux fois, il sera pas mort. Oh, là, c'est tellement de monde, tu te dis, mais je vise qui? Ok, lui. je tire, je vais voir. Et là, il faut se déplacer. Parce que si tu te déplaces pas, tu vas te faire tuer parce qu'ils sont 5, 6 à 7. Et bah, c'est celui qui est moins mobile qui se fait tirer dessus, quoi. Sardoche et Tita, ils ont fait top 10 à PUBG. Hein. Top 10 ah ouais. Donc c'est pas mal quand même. Ah ouais, bah ok, mais je suis sûr. C'est quand même vraiment bien. Ah non, mais je pour l'instant, ils doivent être peut-être top 1 de la LAN, hein, je pense. S'ils font premier shoot mania, ils sont top 1 de la LAN. On va voir. Je suis surpris. On va voir. Alors que dans le chat, on demande les règles du tournoi qui sont, je rappelle, publiées depuis 3 mois. Faire le rappeler, on sait jamais. Soirée de test aussi, tranquille. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin. Bichard gagne le round. Bah, tu vois, voilà, j'avais mis ma cam sur lui et finalement, il gagne le round. Tu l'as, incroyable. Voilà, c'est beau ce que tu montres. Incroyable, mon poulain. Ok, on a toujours Julozilan et Xyrios qui sont au premier au classement. Ah non, voilà, et c'est Nico et Étoile qui sont passés devant car Étoile est 5ème du serveur. Comment ça se passe de ton côté, mon cher De mon côté, Sardosh Tita qui sont 5e, on verra juste après celui-là. Ouais. Dr. Piper et Proxim qui montrent du très gros niveau parce qu'ils sont 6 points, ça veut dire qu'ils ont fait premier ou. Attendez. Dr. Piper et Proxima qui avaient fait égalité au calcul mental sur les bonnes réponses avec Sardosh et Tita. C'est bon. Ils ont fait top 2. Donc clairement. L'équipe OA, je ne sais pas ce que c'est. Des vrais adversaires. On repasse sur cette game, mesdames et messieurs, on repasse sur Bichard, on a Étoile et Nico qui sont pour l'instant premiers, Guile et Bichard 3ème, Kenny et Kalen 5ème, Velzira, et Swiftnessing en 4ème position, alors qu'on voit, Bichard ici hein, sur votre télévision, regardez ce visage, le visage de la concentration, il est ici en train de récupérer des HP, boum, on a fait une petite tape, il faut qu'il se mette là-dedans pour récupérer des points de vie. C'est assez simple de récupérer des points de vie dans cette partie-là de la map, mais il faut bien se faire prendre en chasse par quelqu'un, après on ne peut pas tirer sur les plateformes. Ok, on y va, faut aller chercher de la touche. Il a pas réussi, dommage. Oh, Bichard, le visage. Il est dans le jeu, hein. Il est dans le jeu, clairement. C'est tellement compliqué, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, n'oubliez pas que quand vous êtes sur cette zone-là, que vous voyez qui est un peu en bas avec un rond, c'est pour gagner de l'HP. Et tu peux pas tirer, donc t'es dessus. Tu peux ni sauter, ni tirer. Donc c'est très piège quand t'es dessus. Oh, bien joué, ce plus 4 ici. On a pas mal de points en touche. Ok. Ouais, il la joue très intelligemment. Vraiment, il attend que ça saute. Ouais, exactement, il attend que ça saute. Il se place bien à l'extérieur pour se dire ça sert à rien. Et on voit qu'il connaît la map. Hein. Dès qu'il perd un HP, pouf, il va sur la plateforme. Ouais. Ça, c'est très très important également. Oh, c'est plus propre, 5, c'est propre ce qu'il fait. C'est propre. Il est pas du tout dégueulasse. Non, hein. Il est bon, il est intelligent. Il joue mais vraiment, se bien il se sous-merdifie à fond, je te jure. À chaque fois que je lui parlais, il était en mode non, mais moi, de toute façon, je vaux rien et tout. Et il le pense, je pense. Hein. Il est non, je pense. Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas du faux flexing. Voilà, ok, non, il fait pas du tout. Mais parce qu'en fait, si tu te compares à Nico, t'es une merde. Ben en c'est fait. Ça, c'est même ça si le problème. Même si c'est le deuxième ou troisième, t'es une merde parce en fait, que Nico est tellement au-dessus. Dans un monde où Nico existe. Exactement. Voilà, si Nico existait compliqué pas, de dire je suis chaud. Ouais, voilà.
Et c'est ça qui est compliqué parce que t'es en face de Nico, je suis désolé, mais il te massacre. Donc, non, clairement, c'est compliqué. Hein. C'est clair. Alors que c'est du, il fait du bon niveau, il est bon, quoi. Il se place, il est intelligent. En fait, tu vois tout dans, dans son gameplay qui est quand même. Il est intelligent, il se place, il veut faire des petits kills sans mourir. C'est pas only kill, c'est pas genre nos cerveaux, quoi. Apparemment, Domingo a eu un bug, mais j'ai vu un admin près de lui, hein, donc je pense que c'est géré. Moi, vous savez, je suis pas admin du tournoi, mais c'est bien que vous signaliez dans le chat au cas où il voit pas. Mais à mon avis, tant qu'un joueur a un problème, il lève sa main et un admin est en train de le gérer. Mesdames et messieurs, vous inquiétez pas, pas besoin de signer, de hurler dans les chats. On peut pas arrêter des games quand on est à 8 rounds sur 10, je vous cache pas. Il y a des choses qu'on peut pas faire, hein, malheureusement. Des fois, quand il y a des plantages dans une LAN de 200 joueurs, on peut pas toujours attendre les joueurs, c'est malheureux et c'est terrible. Mais voilà, c'est le cas. Hein, donc, désolé, je sais pas ce qui s'est passé après, hein, je n'ai pas le contexte, bien sûr. Mais ok, Nico, on est sur l'avant-dernier round. C'est ça, avant-dernier round, mesdames et messieurs. Nico et Étoile sont deuxièmes de cette partie. Guy et Bichard sont premiers. Le podium est ultra serré, effectivement, oui. On est à 8-12-13. Hein. 8-12-13, c'est ultra close. Dans ta game, comment ça se passe? Moi, c'est les OA, ils sont vraiment au-dessus. Vraiment, ah ouais, ouais. Okay. Pour te dire, premier Dr. Piper, deuxième Little Big Whale, Proxima, troisième et quatrième Tita. Little Big Whale, ah oui, mais elles sont top 11. Ah ouais, Gomar doit vraiment être au fond. Oui, le pire, c'est pas ça, c'est Sardoche qui est complètement au fond aussi. Ah ouais? Ah, parce que Tita est bien? Et bah, Tita est quatrième. Ah ouais, merde. Alors que là, ils ont 38, donc c'est-à-dire qu'il est 34, tu vois. Ouais, compliqué. En tout cas, côté Nico et toi, écoute, ça déroule. Oui. Hein. Jiraya TV, snipé par. Attends, et Kalen et Kenny, ils sont 6ème. Kalen, Kenny, ouais, ils sont 6ème parce que c'est Kenny qui rate un peu sa game. On a clairement Nico, Bichard, Kalen qui sont dans le top 3 là, qui font pas mal de points. Mais surtout Bichard et Nico en fait. Hein. Là, tu vois, Bichard et Nico, ils ont les mêmes points. Hein. Donc clairement, sur une map un petit peu plus compliquée à gérer, on voit que Nico est pas tant devant que ça. Ça me fait plaisir pour Bichard parce que vraiment, il a full train et je trouve qu'il mérite. Oui, il y a énormément de joueurs qui traînent et ouais, c'est beau de voir quelqu'un qui est bon et qui se voit, qui dit ouais. Et tu vois, c'était pas du tout un joueur fast FPS en vrai. Et c'est ça qui est cool de voir. Bon, lui par contre, c'est un joueur de fast FPS. Et ça se voit, vous voyez Nico hein, à gauche sur la caméra. Non, mais il est monstrueux, ça fait peine, hein. Ça fait de la peine un peu. Hein. Ouais, c'est... Honnêtement, quand t'as pas Nico dans ta poule shoot mania, t'es quand même content. Oui, là je pense qu'ils sont contents. Je te dis à ma gauche, là ma poule, ils sont. Oh, c'est bon, ça va, c'est tranquille. Ouais, il y a clairement une poule de la mort. En fait, c'est juste là où est Nico, quoi. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah Nico éliminé. Et là, ils sont. Ah, on peut respirer. Bichard. Ah, Bichard éliminé. Bah, il reste Slide, le mec de Sky, qui est ici. Slide qui fait un très très bon match, hein. Honnêtement, il est très très bien placé dans le classement. Et ils sont 7ème, ce qui est pas du tout ridicule. Honnêtement, quand on sait qu'il y a. Alors, il y a combien de duos par game? On a 43 duos. Ouais. Parce que là, vous voyez le top 16, mais il y a 43 duos, c'est quand même beaucoup. Hein. Exactement. Oh, Slide qui gagne le round avec Skyheart qui lui a fait un petit let's go. Ils se sont fait un check Covid. Et on a donc le dernier round, je pense. Non, c'est fini, je crois, non? Ah non, c'est le dernier round, peut-être. Tour 4 sur 5. C'est le dernier round. Dernier round de notre côté, on va regarder ça et puis ensuite on passera sur ta game pour la fin. Moi j'ai un round près. Donc ouais, c'est ça, juste après. Ouais. On ira voir le classement. En tout cas, on va suivre ici peut-être Nico, premier du classement actuellement avec Étoile. Peut-être suivre Étoile en fait. C'est plus lui qui va déterminer si Nico et Étoile se placent premier dans cette map là. Étoile qui va ici. Oh, attention, prendre une vilaine roquette, une double vilaine roquette. Attention, ouais, vous voyez, il a un peu plus de mal à se déplacer. C'est vrai que quand on part de Nico. Quand tu spec Nico et d'un coup tu spec un autre joueur, tu vois que ça saute moins, ça marche plus, etc. Mais c'est un jeu très compliqué. Hein. C'est un jeu très 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 compliqué. Voilà. Là, le pôle a été capturé, il ne doit pas mourir parce que et à chaque fois que quelqu'un meurt, il gagne un point. Donc exactement. C'est pour ça qu'il tire pas, toi, il attend. J'ai vu qu'il y avait écrit Nico a fait la première élimination. Horrible. Tu vois, pôle capturé, éliminé. Ouais, ça arrive tellement souvent. Ça, c'est affreux. Tu pensais bon, ok, et là, tu prends, la roquette arrive sur toi, pôle a été capturé, tu meurs et tu la vois dans ton visage et tu ne peux rien faire. Ah, c'est affreux. Oh là là, attention. Là, il avançait tout droit face à quelqu'un qui avait des roquettes. Donc faut jamais être droit. Petite double roquette. Oh, il a même pas tenté, c'est dommage. Ouais, non, il tente pas. Je sais... Oh, il a raté le point de vue. Ça va, il s'en est rendu compte. Bah voilà, il faut tenter. Ça coûte rien de toute façon. Après, on va atterrir, on va recharger les roquettes. Il reste. Oh, c'est bon. Il l'a eu. Okay, c'est bon, il a eu, il peut s'échapper. Voilà, on va toucher une fois. Peut-être qu'il va retourner, ouais, j'allais dire près de la plateforme ronde au cas où il repère un HP. Il faut qu'il tente plus, hein, là. Il tire pas assez. Il tire pas assez. Ça, c'est le... Parce qu'en fait, tu peux tirer. Voilà, il y a tellement de monde, il faut pas avoir peur, il faut qu'il tire. Il a 4 roquettes, tire. Calme-toi, Emmanuel. Il faut tirer. Là, tu vois, il faut tirer deux trucs.
Ouais, après, je pense qu'il a pas envie de tirer s'il rate. Et tu vois, il se dit peut-être. Oui, mais t'as pas le droit d'avoir 4 roquettes en fait en bas. T'as pas une interdiction d'avoir 4 roquettes. Et en fait, il faut en avoir toujours 3. D'accord avec toi, mais calme-toi. Non, il n'a pas le droit, Rachel. Alors attention. Il reste droit, en se mettant comme ça dans les hauteurs, ça peut être un problème. C'est très dangereux. Il survit bien. Il fait 85. Honnêtement, ça pourrait être bien pire. Il a plus qu'une vie. Oh, il est bien, il survit bien. Oh Kelly, oh il élimine Kelly. Et juste après il se fait éliminer, il est quand même à 91. En 91 c'est pas mal du tout hein. Faut voir s'ils éliminent Guy et Bichard, s'ils restent premiers. Est-ce qu'ils restent premiers? Je pense que oui, mon cher Manu. Eh bien oui, ce sera le cas, ce sera Étoile Nico suivi de Guy Bichard. On va passer sur ta game tout de suite, mon cher Manu. Exactement. Afin de voir ce qui se passe en termes de classement général. Mais tu vois, Sard et Tita 5ème hein. Ouais, ils sont 5ème, c'est pas mal. Ils sont collés avec Destro, ils sont pas mal du tout. T'as Dr Piper et Proxima qui sont. Voilà, ils vont être premier de ce duo, et là on est sur Tita qui montre quand même un peu mon niveau parce qu'il est premier de loin hein, quand même, et ça fait vraiment un délice. Tita joue très bien et intelligemment, enfin je trouve que voilà, il va chercher 9 frags, tu vois, c'est à dire qu'il a déjà fait pas mal de touches. Il se déplace bien, hein. Ouais. Voilà il meurt, c'est peut-être un peu trop donné. Montre-nous Sardo. On va essayer de voir Sardoche qui est un peu plus derrière, sauf s'il est déjà mort. Il est déjà mort, ouais. Je vois comment il est sur sa chaise, il a l'air d'être déjà éliminé. On va montrer Dr Piper qui montre quand même du très bon niveau. Sont dans les premiers, ouais. ils sont dans les premiers et il a encore 3 vies au middle, ce qui est vraiment un avantage. Bon, il vient de mourir, mais... Décidément, on a l'œil de Sauron qui est très fort aujourd'hui. Oui, Eliodar qui est bon aussi. Eliodar deuxième, ils sont deuxième. Ouais. Eliodar et Ionix, un des grands duos de Zilan qui va probablement se hisser dans les phases finales. En tout cas, ils ont l'entraînement pour... Ah, ça joue bien, hein. je sais pas qui est en face là, qui se cache bien. Mais c'est clairement hyper bien joué. Ah, c'est Squeen. Ouais, Squeen qui est. Il était dans le bon classement au début, mais là. Ah, c'est Ionix. Voilà, regarde. Ouais. Bah, là, c'est les deux finalistes. Donc, il se dit ok, tue-moi, tu gagneras plus et oui, de points. Plus et voilà. De points, etc. Ok, et grâce, bah, à ça, nice. Ça, ouais, grâce à ça, ils sont mis deuxième. Ils étaient déjà deuxième. Ouais, hein. Deuxième, oui. Ils étaient déjà deuxième. Ils sécurisent leur deuxième place. Donc, on a Sard et Tita qui font quand même cinquième. À voir si ça les mettra en top 1 sur Shootmania. Ah, mais oui, ils passent troisième avec le classement. Ah, bah, c'est bon, ils sont top 1. Ils sont top 1 quasiment sûr. Et Ionix premier. Je crois pas qu'Ionix et Eliodar et Pepper et Proxima étaient top 1, top 2. Je me rappelle plus, j'avoue, de la première map. Ouais. J'avoue que je me rappelle pas. Non, on le voit pas là. Il faut pas regarder par rapport à ça. Mais on va le voir de toute façon. Hein. Mais vraiment, du très bon niveau. Des joueurs. Enfin, Nico, hein. Il est vraiment au-dessus. Hein. Il s'est fait plaisir. Ouais, c'est clair. C'est pas la même chose parce que là, cette game était plus rapide parce que les gens cherchaient plus vite l'épaule. Alors que là, c'était limite, on s'échappe de Nico et Nico cherchait pas l'épaule, il cherchait les frags. Je crois que les games de Shootmania sont terminées. Hein. Exactement. Je vais quand même le dire. À la salle, si on pouvait me débloquer le micro de la salle, les épreuves de Shootmania sont terminées, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Oui. Donc, les épreuves de Shootmania sont terminées, mesdames et messieurs. Félicitations à tous! Bah, c'était assez. Et là, t'as un admin qui va venir me voir. Pas du tout! Pas du tout, il y a un troisième map là! Il reste 3 maps, Zera! Non, je l'ai bien reconfirmé. Vous savez qu'au FFS, on s'était embrouillé. Oui. On s'était mal compris. Et là, il m'a bien dit c'est 2 maps, 5 rounds, et c'est terminé. Donc voilà. On va compiler tous les résultats. Normalement, ça ne devrait pas te prendre trop de temps. Même si, bon, il y avait une pause prévue après Shootmania. On est désolé qu'il y ait pas mal de pauses. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à gérer avec certains joueurs qui ont des problèmes, etc. On essaie quand même d'enchaîner le plus possible. Mais c'est pas toujours possible et évident suivant les jeux. Vous avez vu qu'on a eu quelques soucis. Voilà. La prochaine épreuve, c'est. Je sais plus, c'est Golfit. Golfit et après Minecraft, non? Golfit, Minecraft, ouais. Et après, ce sera la fin de notre soirée, effectivement. Toi, Manu, c'est fini pour toi aujourd'hui. Ouais. En termes de commentary. Tout à fait. Désolé pour cette épreuve de PUBG. Non, c'est pas grave. J'ai bien quand même rigolé. Juste. Mais demain, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux gens qui ont suivi. Demain, on va assister à des choses exceptionnelles parce qu'on aura du combo sur toute manière. Oh, combo, et ça, oh la vache. Et là, si on voit du Nico, j'ai peur que ça fasse très mal. On va peut-être pas regarder les matchs de Nico. Ouais, j'avoue que voir du Nico en combo, ça fera peut-être mal. Hein. On verra. Mais ouais, il y aura aussi du Royal Race. Mm. Puisqu'on jouera dans les phases de poule de 8, on jouera aussi en Royal Race avec tous les joueurs de Shootmania. Mesdames et messieurs. Alors je sais pas si on attend le classement ou si on le fera après la pause, j'imagine après la pause. Ah. Non, on va l'avoir. Alors beau. Je sais pas si on aura le classement de Shootmania ou du général par contre, mais dans tous les cas, le classement général, on va quand même le rappeler après les pauses, bien sûr, quand on l'aura, mesdames et messieurs, j'ai les infos au compte-goutte. On aura probablement les deux, on vient de me dire en régie, on aura le classement de Shootmania, mais aussi le classement général qui va arriver, des projecteurs qui éclairent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Salut à vous, mais merci. Hein, après, on a l'habitude de se faire éclairer de Montpellier, tu vois, le soleil. C'est vrai, c'est vrai. En arrivant ici, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Ouais, de l'eau, là, de l'eau qui tombait du ciel, c'était... Je voyais que ça dans les douches, mais... Très étrange, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait dehors, ouais. mais bon, c'est pas très grave. Voilà, bon. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Alors, c'est quoi? C'est le top combien qui passe, là? Parce que c'est des poules de combien? Parce que je sais que tous les joueurs sont pas venus, mais il y a combien de personnes dans chaque poule? Il y a 43 duos, dans chaque 43 duos. Ouais.
Et je crois que c'est 32, non ? 32-32, ça fait 64. Normalement, 8, ouais. Hein. 8 normalement, 8, c'est top 32 ouais. qui passe. Ouais, c'est ça. Bah oui, puisqu'il y a 8 sur 8 après. Ouais, c'est ça. Donc c'est le top 32, 32 de chaque poule qui passe. Donc on élimine, ouais, une dizaine de duos. C'est ça, 11 duos. Une quinzaine, allez, on va dire. Une douzaine. Non, non. Douzaine. Okay, une petite douzaine. Si tu veux, une petite douzaine. Peut-être une poule où c'est 12 et une poule. Non, c'est 43-43. Ah, c'est équilibré ouais. Ah, ok, ok. Ok, ok. On n'a pas de soucis, moi. Donc voilà, on a le classement d'ici 2 minutes qui va arriver. Donc on aura le top 32, effectivement, qui va se propulser vers la phase finale de chaque poule, bien sûr. En fait, et ça nous amènera dans la double poule de 8 de la mort. En fait, pour être honnête, normalement, ceux qui se qualifient pas, c'est ceux qui ont vraiment pas joué. Oui. On va être honnête. Ça va, les mots sont durs. Les mots sont durs, mais les bons sont justes. En fait, parce qu'il y a 11 équipes de chaque poule qui passent pas. C'est vraiment les gens qui ont. C'est vraiment la première épreuve de Fall Guys, quoi. Exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, c'est si bien dit. Même encore, Fall Guys est même plus dur pour te dire. Fall Guys, c'est top 45 sur 60. Donc ouais, c'est ça, on enlève 15. Ouais, 15. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, mais bon. Est-ce que vous faites partie des gens qui, sur Fall Guys, passent pas la première épreuve? Non, parce qu'ils peuvent pas le dire. Sur le chat, ils disent oui, c'est qu'il y a un problème. Moi, les gens sont honnêtes. Les gens sont honnêtes. C'est quand même la honte de ne pas passer. Sur ce chat. Ah, c'est la honte. Après, c'est sûr que quand t'es comme toi, qui a 400 heures de jeu, non, j'ai sur un jeu fun censé s'amuser et où on s'entraîne à pousser des gens, c'est vrai que c'est un peu la honte de ne pas passer. Mais non, j'ai que 2-3 heures de jeu. Mais si t'es un joueur normal qui joue 15 minutes toutes les 2-3 jours, c'est pas comme est censé être joué Fall Guys, je pense que t'as vraiment de la chance que t'as. Waouh, t'as une vitre là. Hein. Je pense qu'en vrai, normalement, quoi, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Ils ont dit oui. Oui, mais ils disent oui, ça genre, m'est ils déjà passent. Arrivé, oui, parce que je ne joue pas. Bon, ben voilà. Moi j'ai que 2-3 heures de jeu, ça va. Hein. En vrai, t'as peut-être 5-6 heures. Ouais, t'as vrai. En vrai, t'as 5-6 heures. Ouais, c'est vrai. T'as 5-6 heures. Bon, écoutez, on va voir le classement qui va arriver. Ça va être superbe. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé. Bon, Sardoche Tita en top 1. Eh ben non, ce sera top 2, tu vois. Eliodar ouais, et Yonix seront premiers ça. Parce qu'ils avaient fait une bonne perf à la map ouais. d'avant. Effectivement, Crocodile Arcantor, Domingo Xari top 4, Noctilex et Unlock. Domingo Xari, bien joué. Ok, ok. Bon, après, évidemment, on va pas vous afficher tout le classement global tout le temps, mais ce qui est important de savoir, c'est le oui. classement général. Là, on voit le classement de Shootmania, c'était la poule A, maintenant on va voir la poule B, je suppose. C'est allé très vite, bravo aux admins. Hein. Merci beaucoup aux Michel qui ont géré Étoile ce Nico classement. Étoile Nico premier, Kinstream Kalen deuxième, Étoile Nico premier. Ah ouais, là on voit les équipes qui se sont entraînées. Hein. Ouais. Pas trop de surprises. Pas trop de surprises. Pas trop de surprises. Kenny Kalen, top 2, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils se voyaient peut-être pas top 2 sur Shootmania. Je pense qu'ils se voyaient si, top 2 si, clairement. Ah ouais. Top 1 ou top 2. Je pense que Sky et Slide sont vraiment contents. Même si toi tu oui. disais Slide et Fort et tout, je pense que vrai, top 3 sur ça, ils sont grave oui, contents. Clairement. Moi, mais je pense qu'ils sont grave je pense contents. Que Nickelen aurait. Ouais, non, mais ils sont, c'est leur truc. Hein. Ils ont... Bon, il y a beaucoup de gens qui sont 3e dans ce classement, mais tranquille. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible. De quoi? C'est possible qu'il y ait plusieurs fois 3e. Parce qu'ils oui, ont fait parce genre, qu'on joue en position. Voilà. On donc joue en position. C'est vraiment possible que. C'est vrai que c'est possible. Non, mais t'as raison. Donc ils gardent les points. C'est possible et qu'il y ait une ouais. égalité sur les troisièmes puisqu'on joue en position. Ouais. Effectivement, on ne joue pas en points. Pas en points, donc c'est. Et je pense qu'ils ont dû départager en points pour les égalités du coup. C'est ça qui a dû se passer. Mais il reste à 3. Non, il reste 3e, je crois. Tu penses? Ouais, il reste 3 points. Ok, j'irai demander aux admins, j'avoue que j'ai pas l'info. Est-ce qu'on a le classement général, mon cher Michel? Peut-être, sur cette. Donc sur on aurait fait. Ah, classement général, ce sera après la pause, mesdames et messieurs. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être si nombreux sur ma chaîne Twitch, parce qu'il s'agit de ça, finalement. Un stream sur une chaîne Twitch. Il y a quoi, il y a 2-3 viewers, c'est ça? 2-3, ouais. En gros, là, okay. là ils sont 2-3. Mais merci beaucoup, en tout cas, de soutenir l'événement en regardant tout ça. On espère que ça vous plaît. On a tout fait pour que ça vous plaise. Évidemment, vous êtes vraiment extrêmement nombreux. Et ça me fait super plaisir de voir que l'événement vous plaît. On espère que ça va continuer de vous plaire. En plus, ça va monter en puissance, la Zilan. C'est aussi oui. ça. C'est que là, on est sur une épreuve qui est hyper... C'est marrant, je suis coupé en deux par la vitre, t'as vu? Si je me mets là, comme ça, hop. Voilà, salut à tous. Non, mais c'est bon. Non, attends, je reste coupé en deux. Parce que c'est juste face. Un stream sur une chaîne Twitch. Exactement. Donc voilà. Et non, mais ça me fait super plaisir qu'il y ait autant de gens et que ça vous plaise. On va faire une petite pause et après on passera au classement général. La Zilan va monter en puissance. Il reste 2 épreuves. Il nous reste Golf It et Minecraft. Oh. Dans cet ordre-là, Minecraft, il va y avoir des oh ouais. pleurs. Hein. Minecraft, il va y avoir des pleurs, du sang et des larmes. Si tu fais, tu fais. Et ce sera la dernière ouais. étape du parcours. Voir. On commentera ça avec un spécialiste Minecraft que vous découvrirez Exactement. Plus tard. Ouais. On revient juste après la pause. Merci Manu. On se voit demain tous les demain. Deux. Et nous, on se voit dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Sur Azeroth.